Bonjour, nous sommes aujourd'hui au guidon du nouveau Kymco DTX 125 en attendant l'arrivée du prochain DTX 360. Kymco associe le mot crossover à ce scooter et ouvre le chemin des possibles en nous invitant par la même à changer notre regard sur le scooter. Kymco dote son DTX 125 de pare-main pour la touche crossover et pour le reste, le DTX 125 a tous les attributs d'un scooter et même d'un très bon scooter. Chez Kymco, les scooters se suivent et s'améliorent de modèle en modèle. Sur notre DTX 125, le tableau de bord est de format tablette XXL. Les informations sont affichées en grand. C'est clair et immédiatement lisible et compréhensible. Parmi les améliorations qu'il faut signaler, le bouton central de verrouillage fonctionne maintenant à chaque fois. Kymco a instauré une petite procédure très simple à suivre. Nous y sommes arrivés. Il faut rappeler que notre DTX 125 n'a que 100 km au compteur et pourtant, il accélère très fort. En ville et au feu, le Kymco DTX 125 s'arrache littéralement. De 0 à 50 km/h, il ne met que 8 secondes, un temps qui ira en s'améliorant quand le moteur sera libéré. Sur route, à 80 km/h, le moteur est juste en dessous du régime de couple maximum, qui est de 11,2 Nm à 7000 tours minute. Une légère pression sur l'accélérateur et le Kymco DTX se relance sans effort. En reprise, de 50 à 70 km/h, il ne met que 5 secondes. Au niveau consommation, et avec notre conduite façon essai, nous avons consommé 3,73 litres au 100 en étant souvent en zone rouge et avec force, accélération et freinage. Avec une conduite plus coulée, vous pourrez gagner 0,5 litres au 100, ce qui, eu égard aux performances, est appréciable. Avec son réservoir de 12,5 litres, vous pourrez parcourir près de 380 km avant de faire le plein. Revue de détail du Kymco DTX 125. Le tableau de bord est affiché en XXL et en couleur. Les LED sont à l'avant et à l'arrière, avec un bloc arrière particulièrement réussi. Le coffre accepte deux casques, dont un jet sur la partie avant. Il est éclairé. Le bouton central de commande fonctionne à chaque fois et la Smart Key reste au fond de la poche. Prise USB. Boîte à gants. L'éclairage de nuit est puissant et intense.